Mali News jabarani lajɛbaga bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen don an na su ani tile aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye desanburukalo tile 14 2023. An ka bi kunnafoni bɛna tali kɛ min na Mali armée bɔra ka communiqué kɛ kunu na sini Farakabugu attaque la n'an bɔra yen an bɛ taa Niger. Niger autorités bɔra k'a fɔ ko CEDEAO ye kɛlɛ tigɛ ka ɲɛsin u ma. Kunnafoni walawalalen an bɛna o d'aw ma an ka kunnafoni kɔnɔna la. Kunnafoni daminɛ la armée communiqué kunkurunin kɛ Farakabugu attaque la. Kunu i n'a fɔ an y'a fɔ an ka kunnafoni na cogo min na armée ka poste min bɛ Farakabugu o attaqué ra Bamakɔciw fɛ. Kunnafoni min bɛ Mali News bolo o de ye k'a fɔ attaque in kɔni juguyara kosɛbɛ sabula finitigi dɔw ni tora la ani duguladen dɔw olu fana ni tora ni attaque in na. Alamisa bi sɔgɔmada in na armée communiqué kɛ a y'a jira k'a fɔ ko attaque kɛra Farakabugu poste la attaque min yɛrɛ kɛra tarata don 14h wagati. Armée y'a jira k'a fɔ ko finitigilakaw y'u jɔyɔrɔ fa ni attaque in na kosɛbɛ nka armée ma bilan di. A ko ko baaraw bɛ sen na k'u bɛna o bilanw bɔ ka di jamana kɔnɔdenw ma hali bi ala ka fanga di Mali armée la. Aw bisimila a ka kunnafoni kɔnɔ bamananw ko ko ni basani kuma tigɛ k'a tɛ dingɛ dayɔrɔ dɔn mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko ye PCAO ta ye bi kunun PCAO directeur général y'i senfa bibi kana colonel Assimi Goïta fɛ ni ale tɔgɔ ye Jean Claude Kasibulu. Ni cɛ ye sigira san 2022 novembre kalo tɛmɛnen ni y'a sigilen san kelen kɔ de a kuma se Mali la yan fɔlɔ nka kabini AES jamanaw sigiko kuma fɔlen ani mɔnɛ kiri ko kuma kibaruw carinen BCAO directeur y'i senfa biribiri kana colonel Assimi Goïta fɛ. Jean Claude Kasibulu ivoirien don sabula BCAO directeur bɛ nomé Ivoire de fɛ a selen Mali la yan nɔ Kuluba ani colonel Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ ko BCAO ni Mali ka jɛ ko jɛkɔrɔba de don ko ale nominee k'ale tun kan ka yala ka BCAO jamana bɛɛ fo ko nin ye colonel Assimi Goïta ɲiyɔrɔ ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ Jean Claude nominee ala ma kalo saba kɛ a yalala ka BCAO jamana kuntigi bɛɛ fo fo n'a kɛra CEDEAO ni jamana minnu bɛ kɛlɛ la i n'a fɔ Mali b'o la. Jean Claude y'a jira k'a fɔ k'ale na kun dɔ ye BCAO bɛ se ka min kɛ Mali ye walasa Mali mago bɛ fɛn minnu na a bɛ se k'olu sɔrɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ sira fɛ walasa sɛnɛ bɛ se ka yiriwa CEDEAO jamanaw kɔnɔna la cogoya min na. Jean Claude y'a jira k'a fɔ ko BCAO baaraw bɛ ka sinsin Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ko sabula Mopti ni Sikaso kɔfɛ k'u ye cakɛyɔrɔ kura dayɛlɛ n'o bɛ ka dayɛlɛ Kayi ko o baaraw bɛ sen na o baaraw yɛrɛ banna so banna jɔ la ko ni don min ye colonel Assimi Goïta yɛrɛ ja ko o so ninnu bɛ dayɛlɛ baara bɛ daminɛ Kayi dugu fɛnɛ kɔnɔna la ko BCAO ye jamana ninnu bɛɛ de ta ye ko ni ne kun ye ale na kun ye. Bamananw ko ko mɛ da ye mɛ jigi la ye ani ni an ka jan ka taa Jean Claude Kasibulu ka nin kuma ninnu lamɛn ani colonel Assimi Goïta ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ a bɛ ka nin kuma ninnu fɔ waati min na an ka ministre des finances jɔlen don a kɛrɛfɛ Alhuseni Sanou. Depuis ma nomination en tant que gouverneur de la BCAO, donc il était important que je vienne donc saluer le monsieur le président de la transition. Ça a été aussi l'occasion pour faire un tour d'horizon de l'actualité économique, la situation économique, financière et monétaire dans notre région. Donc nous avons saisi cette opportunité pour présenter un peu au président de la transition l'évolution de la situation économique, l'inflation. Nous avons parlé un peu de l'amélioration de l'inflation dans la région, la perspective de croissance qui sont quand même soutenues dans le secteur agricole, dans le secteur minier et dans le secteur des services dans la région. Et toutes les questions qui sont liées bien sûr au financement des économies, c'est un aspect extrêmement important. Et donc nous avons un peu partagé ces questions et ça nous a permis également d'écouter les conseils de son excellent monsieur le président de la transition sur ces différents points. Nous avons aussi profité de cette audience pour informer monsieur le président de la transition que nous avons pratiquement finalisé la construction de notre troisième agence auxiliaire ici au Mali, l'agence auxiliaire de Kayi. Vous savez qu'après Mopti et après Sikasso, donc la troisième agence donc, va ouvrir en 2024 à Kayi. Et donc nous avons, comme j'ai dit, finalisé les travaux. Et donc c'était un peu pour informer monsieur le président de la transition sur les détails. Et donc le moment opportun, les autorités nous diront à peu près à quel moment on pourra procéder à l'inauguration de cette agence qui va venir renforcer le maillage des agences de la Banque centrale dans tout le pays et qui va venir renforcer la capacité de la Banque centrale à accompagner les banques dans pratiquement l'ensemble du pays
Et CAI est un secteur qui est en forte expansion, avec beaucoup d'établissements de crédit qui sont installés dans la zone, compte tenu du développement économique de la zone. Et donc c'est tout à fait normal que la Banque centrale donc, se rapproche des banques, des grands centres de production économique, pour justement accompagner et soutenir le financement des activités. Kunafoni filanan general gamuna bulumne ujikina kidal governor akono kunu inafo anyafo nyalanga kunu kunafoni na chugu yamna kidal governor kura sigile kalo kile kofe general gamu jikina mali armega panguluna na bufuma kazasi 1995 akele mata anaga kabine mugo bebarage governor akono anu beritar ubora go kuna kidal ka ujikine kidal uku mena kidal population fe ukofa usor la ta governor akono kawlo dania kafo kufoite kidal governor akono minefefe mumakono sema mogo ani liberje bulu munu kume kidal uye mine ndu belabo nga general gamuma mine ndu mkono hasile kidal munu na nisheji anitabali aisi uwa nga baradamne ujara mogo chame uya ira kafo kuyele mabuka dugula ku general gamuna na barakama general gamuma nitakali ina kidal inafa kumige tukunu na liyu kuntara kidal sema mogo di kumenye mwari adime yiku nga baradamne nga umaye general gamuma kunu takalina walma liyu kuntara yiku metafami intala lila kidal dukutikila kaufi ulu afinyana anga barabegeta anga barabegeta ushimaye general gamuwa kunu nitakalina yani general gamuwa baramne aida kuruya flafo aida kafoko kidal population munubulla kelenye kuwana kufite mugoshila kidal tangi ini bamaga chubulute nyongombulu walma lite mali arme kontrola kufite la kidal ko kidal sekirite ko kuferet kelenwala kulagana be kidal ni wali ankele kidal population do ni sonjara ko ni sonja kuma chama fuka ni shi general gamuma wertem jabarani sanke oni ni aja matu jannaje general gamuma da kunya flam foyani aga baradanne ani kidal population yu kuma munta aga ni chama tout le monde là pense en appel à toute la population bien sûr qui a quitté la région de Kidal des Kidalois qui veulent revenir chez eux sans problème pour relever les défis qui est le développement, l'école, l'ouverture des écoles, population, aujourd'hui l'invite à revenir à Kidal. Ce retour de l'administration est une forte volonté politique. Recouvrer l'intégrité du territoire national et instaurer sans embâge l'autorité de l'État. Les forces armées de sécurité sont déjà déployées dans la région de Kidal. Et pour vraiment la sécurisation des populations et leurs biens, et que l'autorité de l'État doit être respectée par tout le monde, par toute la population. L'administration régionale, pour une première fois, n'a pas attendu la réhabilitation et l'équipement des services de l'État pour s'installer. Ce geste n'a pas échappé aux Kidalois. C'est un message fort, ça veut dire vraiment que l'administration a la volonté, la ferme volonté, n'est-ce pas, d'être auprès des populations. Et c'est là, c'est le souhait le plus ardent des populations de la région de Kidal. C'est une volonté vraiment de faire redémarrer la région avec les moyens de bord. Le gouverneur il va constater ce qu'il y a et puis il va s'adapter à la situation. Nous sommes contents pour l'arrivée du gouverneur. Nous laisserons la bienvenue. Kunafoni sabana Niger gouvernement ye communiqué ke ka nyesi CDAO ma General Chaninga mugo ye communiqué ke ka nyesi CDAO ma wa télévision nationale la ku ya ira ka koko CDAO ke le baba uma sabula wasumi mingera du majite mene Nigeria ku ye wale doge usume nkene ga ku o ye provocation e ka nyesi Nigeria uma General Chaninga mugo ya ira ka fo ku wasumi mingera du majite mene Nigeria ko mugo do tara usume nke ro la ku be ga Niger représenté ko CDAO e o mugo bisimila koko soro ku machi Niger autorité fait General Chaninga mugo ya ira ka fo ko o mugo mun tara ko e Mohamed Bazoum wa premier ministre Corée ni o bolle no ka bon Niger ko CDAO
ore bisimila ko e Niger e representant ko olukele nga coup d'état ge ko CDAO championne ina fo jamana to yo coup d'état ge to gumna da fo mali ni burugina ko CDAO suspend ko jamana mi suspendé no ko wa délégation mi siga ta ere soro CDAO wa je kulula to godi ko nga ko ni mabali olula ko ni mai ya fo kali CDAO ko ya fo ku wa na ku wa siga fo nike ko CDAO ta sebela ko CDAO mi fe ga Niger sigi a senta bara de gono general chaninga mo ya ira ka fo ko oluwe kan arim da siria o nyomwe ko teria mi me aga jamana ni Niger che ko biteria te ka teria ka koronu flabe ga fangai ka ga nato siria o bato aga Niger da fri au ni ni aga jana da Niger ga ni komunike in kalangana me wa television nationale la conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP le gouvernement et le peuple nigérien ont suivi avec indignation dans les médias nationaux et internationaux la participation incompréhensible de certains membres du gouvernement nigérien déchu à la 64e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 10 décembre dernier à Abuja, au Nigeria. Le Niger condamne avec fermeté cette énième provocation de la CEDEAO qui est de nature à saper tout effort pour trouver une solution diplomatique et négociée à la situation politique actuelle. La CEDEAO ne peut en effet décider d'une part la suspension du Niger de toutes ses instances et d'autre part permettre à des fugitifs de représenter illégalement notre pays. Cette attitude désinvolte sur fond d'incohérence prouve à suffisance le mépris de la CEDEAO pour les textes communautaires et le droit international en général. Elle s'inscrit dans une logique de soutien à des amis politiques et autres partenaires d'affaires au détriment des intérêts des États et des peuples de la CEDEAO. Elle participe également d'un plan subversif de déstabilisation du Niger à travers la formation d'un prétendu gouvernement parallèle soutenu par des puissances étrangères. Le Niger rappelle par ailleurs au président en exercice de la CEDEAO et président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, que le Niger et le Nigeria ont des liens millénaires et infrangibles, de fraternité qui méritent d'être préservés. Aussi ne saurait-il continuer à abriter dans son pays des individus recherchés par la justice nigérienne qui participent à l'organisation de la déstabilisation du Niger à partir du Nigeria. Le CNSP et le gouvernement du Niger appellent une fois encore la CEDEAO à se ressaisir et à arrêter de recevoir des directives qui ont pour seul objectif de diviser les pays africains. Kunafoni nana ubetane justice kono sokomare na sidiki kuyate alega kirijabi bora sidiki kuyate nale mouvement yere wolo dewi sur le rempart nyemoko doy ni yere wolo nyemoko bayere ben le servu aramanjara aleno flawe bi justice ka bolo gani mokatina aramanjara alega kirijabi bora san fla kundira lema kawe sangelenge kasula awe sangelenge kenema ngamie sidiki kuyate alekele ngofeka kalu sabake kasula alega kiri jabina na bobi soko madaina progrès cyber criminalité sans flare dama ko sans flare kaba bege kasula akogoro du mogo ya ira kafo ko ni nouvelle image olue ngako olube to justice ko nga ama kibaru ya soro kafo kaga afuka boraga appel ke cour d'appel la kama jen decision ni nafo ben de cerveau ko mogo ya ke tunna ara manjara ben de cerveau aga jugement pour avina ke ga be janvier ka lo clitan ani bulu vlama Mesiri kuyate alegu nomne no procureur fe ka sababu ga ga dangarke jamana la na bi fuma attente à la suite de l'état Nambora Bamago Amita Dakar biso mare na Ousmane Sonko alega kiri jabi bora akuyira la ka fofolo ka ti se ga presenter fanga no fe ka sababu ke ga datulunu ni wakati na Ousmane Sonko ale Macky Sall opposant bilibili Macky Sall ga fanga ko cheto la ni election presidentielle nga ga février ka lo kle mo nduru na ta Dakar Macky Sall ale tele no ga premier ministre de la Bay o bi se ga sigi anola chuyanna Ousmane Sonko ale opposant mi fanga babala ukele no ga fere betie wala so bi se ga datu kutugo mina
Folo, bougotigin no nanaka binoga, o kirikera, sandu ya minega datu, kai dangarge fangala. Ningalu mi ode wina datu yung mesega prezante presidiano fewal mana kuntika segake. O koing wana dagar juji yere damacha mafarala. Nga biso madaina, dagar tribinalba ale decisionta. Ko Ousmane Sonko ka be se ka présenter fanga no fe ka datu le to ko foi dala o kuma e fole o jara kan ba ga chamai sabula tribunal do ko nya ira ka fo ka te se ga ke ni ne wi anga bi kuna fo ne ka da au kluga au ni cha la je go nyuma na anga fo li ba la je ba ga bela je ni kerengere ne na munu mi ga na je ka bo Italy au ka me wakati wen femie anka kidal no ya nga region ale liberalen ko fe tirosu genen ko fe ka bo kidal rebelu ulu kelen ko fe ka afsa takama kidal gouverneur ale nomelen ko fe ni watina feme kidal gouverneur ale konisira kidal ani aka service nyamgo chama ulu taranyo ko fe ani jado era soram klaka ulu yirala ni ala sonama mais gouverneur ka takali ani ay ka fo ko feme kuna fondiso doye no ya ni minu menyo na francis kuna fondiso debu somnana ka foko gouverneur banataka we communication do damne mali ani burkina ka aminolu analyse ke munela o ben communication sugun nunke aminolu analyse ke ayi wala saka analyse nun aka famu o kala nyine djume a dola a bisaka ke al gouverneur mi ratara na ni farabolo kan a bisaka deme donan na tola wa population mi fana be no lu fana ni kuna fana soro a bisaka ke sababe o lu fana be hakli sigini basigi soro to gomna ko ma video an nafaka bon kosobe aya partager nafaka bon kosobe ay video ay partage femie burkina o kuna fondiso kelon buka ngalon yerete u ngani ayira chankele parce que ko selon le niveau de la justice non ngalon tige o be me ali juguka ko kelon ka elama ka ise ko lu bele ma jack wala saka jamana to ko chen o bara o bisina kuna fonia telmana yana ngado anka emission kondala anyo fo awi moko chama madala ni francis temena jamana yoro la ni francis temena afrique dugu la ayo sikina terusu attaque ke adugu la alatime parce que oluno terusu de baraga nyo fe terusu de be bla uko wala saka saka francis ka présence justifie anyo fo awi ku décembre kalo cliché ki kata clé konontona feme France chef d'état major général ale bismillah Benin chef d'état major général fe kumana we kuma chaman fo ay population toro population ni ngal chaman ke conférence de presse ou kera kunu mardi trousué attaqué ke Benin wasra si do takatola jinyinina trousué lu kumbe ka dankare olula or la bec en afam chef d'état major boré ko ka coopération ko ka sinsi ko ka do faraka Benin ani français ni ñogonje ko ka Benin lakana o Benin mi lakana jon contre la terrorisme oni attaque maké Benin no ba don to ko ben sécurité konnal ni attaque maké Patrice Talon Misrante godi ni attaque maké français bina mu ke justificatif ka tara Benin chef d'état major boré le 9 le 12 attaqué kera donc wala mu ke ci ça benatna il retourner ka ségué franchement ah vraiment ngui kuma mu faka blay il va falloir que anga féré ka sana anga ko accélérer pour que français soit parce que français soit ci munu na bon Niger wolu takawro ko kelo no baray munu mbora Burkina wolu takawro kelo no baray munu mbora Mali wolu takawro kelo no baray ukun den ka taka do tara Tchad oh o bara mi wule no francis soraso kele no sdf ye sahel konala donc takaro be nyinu la donc negotiation ko ngara pour que soraso no misaka taka benen to gomina o tra mu fere benema bo fo ke anga soraso munu mbora niger force spéciale do fo ke ukana au fe wala saka na au lakana mais pour que ga taka e ko lu lakana il faut que acte do kaka il faut que fem do kaka mi misaka yere ka fo ko bi saka taka e ko lakana stratégie ina fo nana an fe wati mina France ben nan fe wati mna e muneke ala ire rebellion la wuli ka terrorisme la wuli ka rebelu ne terrorisme chu o ka wuli ka bo gawo kidal kubnu kunda bamako ka
pour que jongona be wele bla oluma telia telia la gore gore la obisa kana tobamna o unana ola terusu farara de wa uduna de wa ujenna de wa mo shima terusu tara yoro do franciere ko kawo nyini ka dese kamuye watim na o franci bi kunyini atikuye terusu betara marakidal me pretexte kunye jume terusu nana ba mako atake donc foke franci armée kana a marchera franci armée nana pretexte kunye munye niger trop soubou attaqué faut que France armée kana au prétexte du mai benabi au attaqué kram mardi chef d'état major boreno le 9 ah ni strasou mataka c'est ça avec baray donc marché projet pour que ça marche tout le monde.